Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de Xenoblade Chronicles 3, un avenir retrouvé. Nous allons continuer notre enchaînement, c'est parti. Ta-da-da. Alors, je sais plus par où il vaut mieux commencer. Peut-être toi quand même, hein. Tu es déjà éjecté. On va faire ça. Ensuite on fait Glimmer. Toi. Tabus. Ça va être bon. Et on finit par Rex. Coup ticket de B, bonus cible blessé. Faire ça, hein. Plus de dégâts. Hein. Chaîne héroïque. Essayer de faire monter le truc le plus possible. Ah, je ne peux pas faire Matthew, ça tombe bien, il n'y a pas Matthew. On va faire ça. Alors Rex. Bah, je crois qu'on va refaire toi. Hein. Fais Glimmer derrière et Rex ensuite. Hein. Ouais, je crois pas que je puisse faire toi. Ah, j'aurais peut-être dû faire plutôt autre chose du coup. Peut-être plus. Non, Matthew. Ouais, j'aurais pu commencer par Matthew. J'aurais pu commencer par Matthew. Mais je suis pas sûr que j'aurais pu quand même, parce qu'il y aurait plus 10 du rôle approprié. Je suis pas sûr que j'aurais pu faire Shulk derrière pour finir par Rex. Je crois pas. Activation. Alors cette fois avec A, on a Matthew. Ou on n'a pas Glimmer, donc ça va être Matthew. On n'a pas Glimmer, donc on va être obligé de faire... Tué par 120% les pétés du personnage, mais c'est après coup. Si je fais ça... Non, je crois qu'il vaut mieux quand même faire ça. Et finir par Rex. Hein. Je crois qu'il n'y a... a pas trop le choix, là. Est-ce qu'on n'a pas Glimmer? À 109 000 quand même en un coup de poing. Pas dégueu. Là l'avalanche elle va faire des dégâts en vrai. Je crois qu'on peut faire Matthew, Glimmer. Et Rex. Je pense que c'est ce qu'on peut faire. Pas trop le choix. Let's go, hein. 92, ça fait quand même pas mal de dégâts. Là, ça va taper. Hein. Plus fois 1,5 en plus. Normalement, ça tape. Hein. Ouais. Ça tape, c'est pas dégueu. Annihilation, 2 265 000, je crois que c'est le plus que c'est le plus de dégâts que j'ai fait dans le... Ouais, je crois que c'est le maximum que j'ai fait dans... Dans un avenir retrouvé. Je crois pas avoir fait mieux. On a eu d'un coup. Pas cool ça. Ouais, qu'il faut pas prendre l'aggro comme ça. Pourquoi tu prends l'aggro sur Glimmer? Ça va pas, ça. Touche pas ma fille. C'est clairement direct, ça.
Paf, ok, ça c'est bien. Tintintin. Hop. Paf. Ça, tu dégages. Allez, zou. Ok, il est mort avant que je finisse. Avant le premier coup d'épée, je crois qu'il est mort, le machin. Ah ben. Égal obscur. Beffroi de Basvergue. Attends, il y avait une cloche ici. Effectivement, ça me parle. Il devait être tout en haut d'ailleurs, mais ça me parle qu'il y avait une cloche. Par contre, cette tour là, ça me dit rien en vrai. Étrange. Ça me dit rien qu'on montait comme ça, si. Fou, on tourne, on tourne et on tourne. Encore. Cet escalier va s'arrêter un jour? Non. Tous les escaliers mènent quelque part. Sois patient et continue à avancer. Mais c'est possible que si, hein. Face à Zanza. Ascenseur à éther. Non, c'est pas là qu'il y avait Zanza. Il doit être au-dessus, du coup, non? On va direct à l'origine. Hein. On l'a déjà dépassé, peut-être, l'endroit où il y avait Zanza. Bah oui, c'était en bas. Je suis con. C'était en bas avec la prison? Bah non, c'est bizarre. Ça correspond pas à ça. Ça correspond pas à mes souvenirs. Mais après, mes souvenirs sont probablement de la merde. Hop, Bazou. Ah, on va à l'origine là? Ah non, voilà, il était là, Zanza. Nous nous rapprochons de plus en plus de l'origine, on ne devrait plus être très loin. La voir de près, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Pylône à éther, qu'est-ce que c'est? Signale les éléments non découverts apportés par un point d'exclamation sur la carte. Pourquoi pas? Si, si, c'est... On y arrive. À l'île prison, là où il y avait... Là où il y avait Zanza, ça va, je suis pas que fou. Bon, c'était quelque chose par là, oui. J'ai plus tant de cylindres à terre, hein. J'aurais pas dû faire le mariole avec mon pylône là. Hop. Camp de l'île prison. Ouais, ouais, on y arrive là, pour le coup. C'est l'île prison. On va se nettoyer l'équipement. Hop. Très bien. Point de repos terminé. 380 points d'attente. Sommet de l'île prison est droit devant nous. C'est là-bas que se trouve l'accès à l'origine. Pas trop tôt. Scène d'entente. Je me demande comment ça se fait. C'est la première fois que je vois l'origine, mais j'ai l'impression qu'elle m'est familière. Qui sait? Ce n'est peut-être pas que le fruit de ton imagination. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire, Hey? La lame que tu brandis. Il y a un métal très particulier serti à l'intérieur. Et ce métal, c'est un fragment de l'origine. Quoi? Vraiment? Mais c'est grand-père qui me l'a donné. Dès l'instant où tu as saisi cette lame, ton destin était inextricablement lié à l'origine. Te voilà finalement sur le point d'y entrer. Il est temps de décider de ton destin, Matthew. Tends la main et dessine l'avenir que tu souhaites. Ça me parle pas qu'il y avait cette tête sur l'origine. Ouais, c'est ce que je vais faire. Nous devons continuer à vivre dans ce monde, et pour ça, il faut qu'Alpha disparaisse. Tu pourras compter sur mon aide. C'est exactement pour ce moment que j'ai voyagé si longtemps avec toi. Merci, Ay. Tadam. 400 points d'entente. Faut qu'on les dépense un moment. Belvédère de la prison. Hop. Qu'est-ce qui va se passer là? Un peu de cinématique.
Probablement. Salut. Je sais pas trop si je devrais dire ça, mais ça rappelle le bon vieux temps. À l'époque, c'est d'ici que tu as embarqué pour l'espace mémoire d'Ontos. Alpha a délibérément recréé cet endroit. Ce qui veut dire que nous devrions pouvoir embarquer dans l'arche d'ici. Ça semblerait logique, oui. C'est là-dedans que t'es allé dans la mémoire d'Ontos. Ok, mais c'est aussi là que t'as buté Zanza quand même. C'est N. Évidemment que c'est N. Il a donc quand même décidé de nous attendre. Un vrai gentleman. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai encore jamais vu un consul comme lui. Peut-être parce que c'est l'un des nôtres. Je suis au courant, merci. Non, c'est son regard. Tu as remarqué? Ils ont tous un masque, il n'y a pas de regard les autres. Les autres consuls, ils ont du bonheur dans les yeux. Une étincelle de joie. Ah. Mais lui, il a le regard éteint. Ça ne me plaît pas. Pas du tout. Mais c'est ton grand-père pourtant. Ton arrière-grand-père. Non, pas vraiment, ouais. Tu comptes nous barrer la route, c'est ton cousin plutôt. C'est l'impression que ça donne, non? Tu sais qu'Alpha a dit qu'il t'attendait. Non, c'est pas. C'est ton gendre? Ouais, non, attends. Que cela implique, c'est qu'il exige sa présence. Que sans toi, l'arche ne partira pas. C'est bon, arrête de tourner autour du pot, bon sang. Ça me gonfle. Je veux dire que la seule raison qui fait que Nael est encore dans ce monde, c'est toi. Et c'est pour ça que tu essaies de tuer Matthew, c'est ça? Tu cherches même pas à sauver Nael. Sérieux, t'es sacrément tordu. Aucun regret alors. Je t'avais prévenu. Ah ouais, merci encore. Le courant du fleuve de l'éternité ne s'embrasse pas de justification. Il submerge tout sur son passage. Absolument tout. On affronte N, très bien. Non, du coup, Glimmer. C'est la fille de Rex. Et que N, c'est le mari de la deuxième fille de Rex. Nio. Et la fille de Nia. Et Rex. Bon, après c'est noir, c'est pas N. Parce que le truc c'est que là, N il est figé dans le temps quoi. Le vrai N c'est le petit garçon que l'on connaît, et qu'on a revu par deux fois. Et par contre il nous éclate notre trace hein. Il nous éclate notre trace. C'est un peu honteux non? En vrai, on a réussi à équilibrer. Merci les copains. Oh là là. C'est éjection. Parfait ça. Mais je pensais que c'était pas un... Alors c'est bizarre, c'est que là, le N, il ne peut pas mourir. On sait qu'il ne peut pas mourir. Il est encore là dans Xenoblade Chronicles 3. Après, est-ce que celui-ci peut mourir? Oui. Ils ont juste qu'à le réimprimer après, non? C'est un peu particulier. Il n'y a pas de chute. Dommage. On avait déséquilibré. On peut mettre du soin? Aïe, bah du coup non, il n'a pas voulu. C'est dommage, on avait la lame de l'infini. Bon. On doit faire un enchaînement. Hein. C'est la même musique que dans le 3, ouais, que dans le jeu de base, mais c'est la même musique contre N, ouais, c'est ça. On va réduire ça. C'est la même. Bon, en vrai, ça marchait pas si mal. On commence par ça. On fait ensuite un déséquilibre. Ça ne marche pas. Du coup, on fait quand même 20,5. Hein.
tant pis. Allez-y. Activation E2. On a perdu Rex, flûte. On va faire Matthew. Je commence par Matthew. Déséquilibre repas. Flûte. Pour essayer avec Shulk. Non. On va faire ça hein, en vrai. Passe à 125 grâce à Shulk. Du coup on a 150, on va réactiver 3 du coup. Puisqu'on a Matthew qui se réactive. Et là avec Matthew il faut que j'ai soit A, y a pas A. Et avec Nicole il faut donc que j'ai le papa Shulk. On peut faire ça techniquement. Personnage suivant. Non. On va pouvoir faire ça. Je ne peux faire que malheureusement. Il meurt. On va essayer de déséquilibrer encore une fois avec Matthew, mais ça va pas réussir, je crois. Non. Dommage. C'est dommage seul que tu l'aies jeté ta vraie Monado là. Est-ce que tu découperais tout le monde avec? C'est à peu près pareil non? Ouais, ça serait bien de faire juste. Est-ce que je peux pas faire Rex? Ça, il y a le 1,5. Je fais Glimmer, ça change rien. Derrière, je fais Matthew. C'est quand même pas mal. Au moins, il y a le 1,5. Ce qui est pas dégueu. Ouais, c'est pas fou quand même, 350 000 c'est vraiment naze. Aïe. Ah ok, Matthew il se fait oblitérer. Alors vraiment quoi. Tadam. Regardez le même thème musical hein. En même temps on l'a pas écouté, on l'a pas eu souvent forcément. Ça fait du bien de le réentendre. Je comprends pas bien ses motivations à N là pour le coup. Pourquoi il veut. Bah, il veut détruire le monde tout autant en fait, c'est ça? Il veut tout détruire. Mais. C'est quand même assez ambigu. Pourquoi il fait ça? A priori, il y a le consul M avec lui, non? Peut-être pas en fait. Il n'a pas encore fait le marché avec Z pour ramener M, je sais pas trop. Si, forcément, déjà le consul N, donc. C'est déjà fait. C'est ça qui est bizarre. On va se faire éclater, je crois. Hein. Là, vu le nombre de personnes qui. Clams. À moins qu'il s'arrête en plein milieu, mais ça m'étonne rien. On est parti pour faire tout combat là. Hein.
Très bien de trouver un déséquilibre pour l'enchaînement. Pas déséquilibre là. Quel chiant. Ah ben ouais. Ah que ça me roule direct. Je veux pas, hein. Je veux pas être déséquilibré. Je le prends cher. On va faire ça. On va faire l'enchaînement. On va pas avoir le choix. On réussissait à les équilibrer au début et puis non quoi. Ok. Paf. Non, je peux pas faire hey. Hey, les équilibres là, s'il vous plaît. Ah, c'est pas croyable. C'est pas croyable. Ça veut pas, hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. J'aurais pu utiliser Glimmer. J'aurais pu utiliser Glimmer, il est vrai. J'aurais dû utiliser Glimmer, non? J'ai Mathieu qui revient. Ah mais j'ai que Mathieu qui revient. J'en ai eu un en plus. J'en ai eu deux, j'aurais dû utiliser Glimmer, ouais. Mais il y a que Aïe de toute façon. Mathieu, hein. On va essayer de le déséquilibrer et puis ça peut le faire. On va faire Shulk. Pas monter au 85, voilà. Fini par toi. Ça change pas grand chose. Et toi? Bon, le N, il vient nous poser des soucis. Hein. On fait tout ça pour rien, je suis sûr. On va crever à la fin. Atroce. C'est vraiment pas fameux. Hein. C'est vraiment pas fameux. Pas le choix, je suis obligé de faire Rex. Je fais Glimmer. Est-ce qu'au mieux Mathieu qui fait plus de dégâts ou lui qui a fait 52? Il y a juste Mathieu, je crois. On a deux pétés de moins, mais. Il fait plus de dégâts, je pense. Ouais. C'est pas fifou, hein. C'est deux fois plus que le précédent quand même. Oh,
Et s'il avait été déséquilibré, ce chien. Ce chien de haine, là. Mathieu est mort, yes. Ah, c'est A qui est morte. Lui aussi, il a l'épée de l'origine, il nous OS, c'est ça. Il sort l'épée. Et on se fait oblitérer. Par se calmer, N. Ok, Nicole, il meurt. Shulk qui se fait éclater. En fait, on se fait tous éclater. Ah ben Rex aussi. Très bien. Hop. Mais aïe un peu. Ah non. Oh non, mais il mord pile au moment où j'appuie sur A. Atroce. Pas de pouvoir de vision. C'est la lose, hein. Qu'est-ce qu'il est, ça? Plus soin. Aïe. Ok, déséquilibré. C'est le moment, c'est le moment. Rex est tombé. Et Rex, il a envie. Il est éjecté. On a l'enchaînement. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut le taper. Il faut vraiment le taper. Et il faut lui faire mal. Il faut lui faire du mal. On va reprendre notre stratégie. De monter les pétés quand même. Il y en a 3 qui attaquent. On finit par Rex. Est-ce que je fais Glimmer du coup? Non. Faut que je l'ai au prochain Glimmer. Parce que le problème c'est que si je l'avais pas. Ah, j'aurais eu 24 de plus. Ah, j'aurais dû. Mais quel con. J'aurais ramené un personnage de plus. Ah, j'ai oublié ça. J'aurais été à 150 là. Chier. Fais chier. My bad. On va être obligé de refaire Noah de toute façon. Mathieu, pardon. Est-ce que je fais 24? Je prends le risque. J'ai combien de manœuvres là? 16. Ah, j'ai 13 de manœuvres. Il prend forcément plus 13, non? Parce que 24, je passe à 85, j'ai 15. J'ai 15 de manœuvre. Il va aller prendre les 15, non? Pas forcément. En vrai, pas forcément. Il laisse. Il les prend pas puisque c'était un support. Enfin, c'était un DPS et lui, c'était un tank. Oula, on la ramène un de plus. En plus, on a bien buffé Rex, ce qui est pas mal. Hop. Ça, en vrai, c'est pas mal. Et là, du coup, on a Rex et Matthew. Matthew, c'est avec A, donc on va faire Glimmer. Ah. Embêtant. Très embêtant. Si je fais Matthew, je crois pas qu'il le réussit. C'est un support. Je crois pas qu'il fait les 40 manques, quoi, voilà. Là on va faire Glimmer. On devrait passer au 99. Et on multiplie par 1,5. Avec Rex. Plus 80, c'est pas mal.
Ça fait pas beaucoup de dégâts, on la voit pas. On voit pas la barre de vie perdant. On a vu un trait je crois, il y avait deux pixels. Allez, Lys Ardent. Alors comment on fait là? Je crois que j'ai Glimmer. Le Glimmer, pardon. J'ai Aïe et Glimmer. Puis Rex. Je crois qu'il n'y a que ça. Je crois qu'il n'y a que ça. Ça fait gagner 18 PT à Rex. Ce qui est pas dégueu. Et du coup, on risque d'être au 200. Ce qui est pas mal. Alors, on sera au 200, du coup, pardon. On est au 200. Ça c'est pas mal. C'est pas mal de dégâts et puis d'un coup. Derrière il fait une explosion. Ouais. Bon, ça devrait pas suffire mais. Et on sacré. Ah quand même. Si il a bien pris cher là. Il a pris cher. Il a bien éclaté. Ok. Ah, ça fait chier de mettre fin à l'épisode maintenant. C'est clairement pas le bon moment. Donc on va pas le faire. Surtout qu'en plus c'est une fin d'épisode, vous retrouverez ça la semaine prochaine. Donc je vais arrêter là. Par contre une fois qu'on aura terminé le combat, je couperai l'épisode même s'il y a une cinématique derrière. Par contre on espère que je vais pas crever, s'il vous plaît. Voilà. Ok. Hop. Ouais, aïe! Oh non! Pas comme ça, hein! Aïe. Pas comme ça! Aïe. Non. Alors voilà, on va le perdre. Oh, j'ai perdu mes supports. Oh, bordel. Bah, putain. Non. Réponse non. Ah. Mais oui, mais va te faire foutre le jeu. Things will be different this time. Ah, j'aurais dû. Hein. J'aurais dû utiliser mes 400 points d'entente là. Fait très chier. Bon, bah écoutez. Cela dit, on n'a pas plus de déblocage, je suis pas sûr qu'on puisse faire grand-chose. Hein. Bah Rex, il pourrait quand même. Allez, on va tout utiliser sur Rex. Voilà. Prends tout, Rex. Prends mes points. Prends mon argent. I'm still looking sharp. Hop. Vas-y. Hop, on a déjà plus de points. Sérieux? On a plus de points. Bah c'est fini. On a plus de points. Bon. Bah c'est cool hein. Qu'est-ce qu'on a débloqué tout à l'heure? C'est pas un truc de gemme, c'est quoi? C'est un truc d'accessoire? Oui, c'est ça, c'est un truc d'accessoire. Ce qui pourrait être intéressant de mettre. Hein. Bon, bref, nous allons nous arrêter là pour cet épisode. On se retrouve bah, du coup la semaine prochaine pour la suite. J'ai déjà tourné le premier épisode la semaine prochaine, ce sera un épisode normal. Je vais pas tourner tout de suite les épisodes de Xenoblade Chronicles 3 pour la semaine prochaine. Je vais attendre un petit peu. Ce sera donc quand même, je pense, la semaine prochaine, je l'espère. Ciao tout le monde, et du coup, à la prochaine.